Les cochons d'Inde ont facilement peur parce qu'ils sont des proies. Et puisqu'ils sont craintifs, vous avez du mal à savoir s'ils vous aiment vraiment. Il existe pourtant des signes ou comportements du cochon d'Inde qui vous aideront à réaliser que vous êtes leur personne préférée. Alors, sans plus tarder, passons à la vidéo. Il ne vous mord pas. Ces petites boules de poils n'ont rien à se défendre à part leurs dents. S'ils vous mordent, ils essaient probablement de se défendre contre vous parce qu'ils sont en quelque sorte effrayés ou nerveux. Quand ils arrivent à un point où vous n'êtes plus une menace, vous pouvez être sûr qu'ils vous aiment. C'est aussi un signe que votre animal se sent très à l'aise en votre présence. Il vient manger dans votre main. Étant craintif, il faut parfois s'armer de patience pour que les cochons d'Inde viennent manger dans votre main. Au fil du temps, approchez-vous avec de la nourriture et essayez de leur en offrir, et à partir du moment où ils se sentiront en confiance avec vous, ils n'hésiteront plus à manger ce que vous tenez dans votre main et ils seront même très heureux que vous soyez là avec eux pendant leur collation. Il s'intéresse à vous. Rappelez-vous des débuts lorsqu'il vous fuyait aussitôt que vous étiez près de la cage. La familiarité demande du temps et de la patience, et vous verrez que cela portera fruit quand il court pour vous saluer ou vous regarder aussitôt que vous vous approchez de leur cage, que vous soyez là à remplir leur atelier de foin ou tout simplement de passage. Les cochons d'Inde ne reconnaissent pas leur propre nom, mais reconnaissent votre voix. Donc, un cochon d'Inde qui bavarde avec vous et qui s'intéresse à vous est très heureux et aime vraiment être en votre compagnie. Il grimpe sur vous. Lorsqu'un cochon d'Inde vous aime, vous devenez l'un de ses endroits sécuritaires préférés. Assoyez-vous avec vos petits animaux et ils n'hésiteront pas à s'approcher de vous ou à grimper sur vos genoux, surtout si vous avez de la nourriture. Ce comportement peut prendre du temps pour que les cochons d'Inde soient confortables à interagir avec les humains.
ils se laissent prendre. Ils sont très sociaux envers leurs mêmes espèces, mais lorsqu'il s'agit d'interagir avec d'autres espèces, ils ont facilement peur et sont très timides. Si votre cochon d'Inde vous permet de le tenir, vous pouvez être sûr que votre cochon d'Inde vous aime bien puisqu'il lui faut beaucoup de confiance pour qu'il vienne à vous et vous pouvez interpréter cette confiance comme de l'affection. Il vous mordille doucement ou vous lèche. Mordiller tout doucement et lécher sont des signes d'affection. C'est un comportement que les cochons d'Inde s'échangent entre eux dans le cadre de leur toilettage et de leur communication. S'ils se mettent à mordiller gentiment vos orteils ou vos bouts des doigts naturellement ou à les lécher, cela signifie qu'ils sont à l'aise avec vous et qu'ils vous aiment. Notez qu'un léger mordillage est très différent d'une morsure. Si vous venez d'adopter votre petit animal de compagnie, il est fort probable que vous devriez attendre encore quelques semaines avec patience avant de voir ces signes de confiance et d'affection. Ne vous inquiétez pas, si vous lui donnez un amour inconditionnel, votre cochon d'Inde le fera aussi. C'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!